en leur inculquant la haine pour être bien sûr que cette haine va passer à la génération suivante. Parce que alors là, pour inculquer la haine, je pense qu'il n'y a pas mieux que les Israéliens. Jacob Cohen, qui est un Français juif marocain, dont nous vendons le livre « Le printemps des Sayanim », et qui est typiquement ces juifs marocains qui sont très antisionistes parce qu'ils reprochent à Israël ce qu'ils ont fait finalement aux juifs marocains. Il faut savoir que les juifs marocains vivaient très bien au Maroc, en bonne intelligence avec leurs frères, on va dire leurs frères berbères, parce que finalement ils étaient de la même... qu'ils soient musulmans ou juifs, ils étaient de la même ethnie et vivaient depuis des siècles ensemble. Et en fait, l'État d'Israël, qui est une création, je le rappelle, de juifs ashkénazes russes, hein, a tout fait, parce qu'ils avaient besoin, dans une logique de classe, puisque là, il faut étudier la thèse d'Abraham Lyon sur ce que c'est qu'un peuple classe, comme ils avaient besoin de prolétaires et de sous-fifres, ils se sont battus à mort par une propagande, je parle des juifs ashkénazes russes qui ont pensé Israël, ils ont tout fait pour que finalement les juifs séfarades du Maghreb, qui ne sont pas des juifs séfarades, mais des juifs maghrébins, des juifs arabes, on va dire, que les juifs arabes du Maghreb émigrent en Israël. Ce que beaucoup ont fait, et ils ont compris finalement, après des années et des années, que finalement ils étaient des Marocains à part entière au Maroc, qui vivaient très bien au milieu de leurs frères musulmans, et que finalement en Israël, ils ne se sont pas retrouvés des citoyens israéliens, mais les sous-fifres de leur supérieur ashkénaz. Et il y a des tas d'exemples comme ça, notamment de gosses qui ont été vendus parce qu'ils étaient séfarades, c'est-à-dire en réalité juifs maghrébins, qui ont été vendus pour des expérimentations pharmaceutiques par le pouvoir juif russe ashkénaze israélien, vendus aux laboratoires pharmaceutiques pour les empoisonner pour des expériences, effectivement, pour des labos pharmaceutiques américains. Et c'est des drames terribles. Il y a en réalité, à l'intérieur de l'État d'Israël, un mépris racial des juifs ashkénazes pour les juifs séfarades. Et ce qui est d'ailleurs assez étrange, c'est que les plus sionistes en France sont les petits juifs séfarades issus de la, comment dirais-je, de la perte de l'empire colonial et issus de la fatalité du décret Crémieux. Ce sont en général les plus sionistes, alors qu'en fait, les sionistes historiques et authentiques, qui sont des ashkénazes russes, les prennent pour de la merde, les prennent pour des arabes et les méprisent. Hein. C'est assez ambigu. Et Jacob Cohen, qui a vécu toute cette histoire dans sa chair et dans sa famille, est très antisioniste parce qu'il reproche beaucoup à ces juifs sionistes russes ashkénazes leur mépris et leur manipulation De ces juifs maghrébins, notamment marocains, dont ils ont fait le malheur. Et il est très antisioniste. Et en fait, il le proclame. Et il s'est fait récemment, lui qui est juif marocain, agressé par la LDJ. Hein. Alors la LDJ, maintenant, il vitriole plus et casse plus la gueule comme il le faisait avec moi en 2004, parce que le rapport de force ayant évolué, leur supérieur hiérarchique, parce qu'ils sont intégrés au système de communautaire juif, hein, ils ne sont pas du tout à la marge. Ils sont encadrés par des militaires israéliens et ils répondent en dernière instance aux directives du CRIF. Et on leur a conseillé, compte tenu de l'évolution du rapport de force, pour ne pas mettre en danger les juifs de banlieue, parce qu'il y a des juifs en banlieue qui vivent au niveau des maghrébins, au milieu des maghrébins et des musulmans, de faire des agressions symboliques. Donc maintenant, ils mettent des drapeaux français, ce qu'ils ne mettaient jamais avant, et ils agressent avec de la farine et des choses comme ça. Alors qu'avant, ils cassaient les gueules. J'ai moi-même été ratonné deux fois par la LDJ, je le rappelle. À l'époque, ils ne prenaient pas de gants. Ils ont simplement ratifier l'évolution d'un rapport de force. Donc ils ont humilié ce monsieur Jacob Cohen, qui signait son livre d'ailleurs dans le bar de Karim Achoui, parce qu'en le traitant de capot et de collabo, ces petits cons qui ne comprennent rien à l'histoire, rien au sionisme, rien au judaïsme, rien à ce que c'est que les juifs du Maghreb, et où aujourd'hui qui en sont à un tel point de délire schizophrénique et de stupidité, que finalement leurs actions consistent à agresser un vieux juif. Voilà, on en est là aujourd'hui. Hein, voilà, où finalement cette double éthique a amené finalement, je dirais, à une schizophrénie, ou qui est vraiment cette maladie mentale où à un moment donné, finalement, ils se frappent eux-mêmes. Hein, voilà. C'est très intéressant à comprendre, et c'est très intéressant à analyser à travers l'éclairage du bouquin de Gilad Atzmon que nous venons d'éditer, hein, dont le sous-titre est « Anatomie du peuple élu », et le titre « Quel juif errant ?». Voilà, parce que lui, Atzmon, qui est un juif israélien, fait tout le travail d'introspection, qui n'est pas de la haine de soi, mais d'introspection, pour comprendre toutes les contradictions mortelles qui sont aujourd'hui à l'intérieur de la conscience juive, juive sioniste. Et lui, ce qui est intéressant, c'est sa conclusion est la même que la mienne. Il dit que finalement, le pire, ce ne sont même pas les juifs de droite racialiste, mais les pires, ce sont soi-disant
les antisionistes de gauche tribalistes, hein, c'est-à-dire dont le champion est pour moi le monsieur Chomsky. Voilà. Et Gilad Atman arrive aux mêmes conclusions que moi sur ce sujet très, très complexe et très subtil, qui rejoint toutes les questions dont on vient de parler là. Hein, voilà. Donc, soutien à Jacob Cohen, dont nous vendons le bouquin Le Printemps des Saganim, que les petits jeunes de la LDJ, qui sont très souvent d'ailleurs des, comment dirais-je, des juifs arabes, de la petite bourgeoisie, se posent des questions sur à quoi mène finalement leur combat, qui consiste finalement à les brutaliser des vieux juifs, quand même assez catastrophique quand une communauté finit par se découvrir que son ennemi est elle-même, hein, et que les gens qui veulent essayer de s'en sortir par le haut s'intéressent à ce que je dis et lisent, après avoir lu Israël Shaak, et après avoir lu Israël Shamir, et après avoir lu Bernard Lazare, qui lisent le dernier bouquin de Gilad Atzmon, dont je ferai la promotion ailleurs, et que nous coéditons et que nous vendons sur Contre-Culture. Voilà.